Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le dixième île Avatara, de Vishnu. J'ai informé François Hollande, dès son arrivée à l'Élysée, de cette menace. Un second groupe extraterrestre qui a pris notre défense a apporté des preuves de cela dans des crop circles qu'il réalise en Angleterre, en même temps que le groupe extraterrestre pro-Jésus, et j'ai présenté ces preuves à François Hollande. Parmi ces preuves fournies par ce groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, le crop circle dont un dessin figure derrière moi à ma gauche. Je vais vous le présenter. Ce crop circle représente une méduse géante. Cette méduse comporte une tête en forme de toile d'araignée, avec ici quatre sortes de bouées. Ces bouées représentent le sauvetage proposé par Jésus. Ce crop circle est réalisé sur un plan très simple de croix de Jésus-Christ. La toile d'araignée et les tentacules ainsi que le dard indiquent la dangerosité des extraterrestres pro-Jésus et l'imposture du message de Jésus lui-même. Ce crop circle comporte un code dont je suis le maître, les 214 clés de Kanji et les 214 radicaux de Kangxi, qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. Ce code a aidé à attester les communications entre le groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, qui est auteur de ce crop circle, et moi. Mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama, et j'ai moi-même atteint l'état de Bouddha en 2008, ainsi que l'état de complétude de l'âme. Ce groupe extraterrestre, auteur de ce crop circle, a communiqué activement avec moi à partir de 2008. Je vais vous présenter le code ici. Alors, on peut compter 7 croissants de lune ici et le chiffre 4. La clé numéro 74 correspond au code pour la lune. Ici, c'est les formes de ces tentacules et celle-ci évoquent les deux idéogrammes qui servent à représenter la rivière, ces tentacules ondulent comme des rivières, et la clé du code, ici, est le numéro 47. Il y a 7 tentacules et on retrouve ici le chiffre 4. Voici ces deux clés. Ici, la clé numéro 74 avec l'idéogramme de la Lune. Ici, la clé Kanji numéro 47. Vous pouvez reconnaître cette forme dans les tentacules que je vous ai montré tout à l'heure et qui correspond à la rivière. My name is Jean-Charles Bourquin. I am Kalki, the 10th Lila Avatara of Vishnu. My soul has been the one of three Buddhas in Asia: Lao Tzu, Krishna, and Gautama Buddha. I would like to inform you that there is a very dangerous group of aliens who are directed by a dangerous chief whose name is Jesus Omega. His soul has been the one of Jesus, but Jesus has betrayed God for these aliens. Jesus said, for example, Father for God. God disapproves to be named Father. God approves to be named Mother or Mother Father. God has no children with the humans. God is on one side. And the universes and the astral that God generates are on another side. I would like to indicate you that another group of aliens has given his help for the humanity and has communicated with me. The drone that you can see behind me is a drone of a crop circle with a message from this group
for the humanity. This is a jellyfish you can see across of Jesus Christ. This message is very simple to understand. The aliens who are in relation with Jesus are dangerous, and this is a trap for the humanity. The head is like a web of a spider. There is a code. I am the master of this code. The code is the 214 kanji keys or the 214 radicals of Kangxi. The K74 is for the moon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the 4 is here. 1, 2, 3, 4. The K for the river is 47. You can number, you see the tentacles like rivers, and you can recognize the ideogram for the river. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentacles like rivers. And the 4 here. 1, 2, 3, 4. Here is for you the K kanji 74 for the moon. Here is for you the K kanji 47 for the river.